Je pense que décidément tu as bien le match avec nous. L'équipe, la jeune équipe, on a très bien joué. On a gagné ce match avec la psychologie. Si on prend un jeu de façon qui va aussi plus, on prend ça l'avance du match de l'équipe normale. À la mi-temps 0-0, vous n'avez pas douté quelque peu, président? Non, on a gagné ici un petit peu, oui, parce que jouer à 8 points, ce n'est pas facile. Encore, c'est le dernier match. Il ne faut pas oublier que. Les joueurs sont motivés, surtout pour le match du Maroc. Je pense que la deuxième mi-temps, avec les consignes de l'entraîneur, les joueurs ils ont réagi, ils ont marqué dans la but. C'est vraiment encourageant de voir surtout Benoît marquer deux buts après le rattrapage de la Tunisie. C'est quelque chose c'est fantastique et c'est encourageant pour la suite. Malgré ce score blanc 0-0 à la mi-temps, vous ne pensez pas que la GSK a eu le grand mérite de ne pas s'accoler, de ne pas abuser de centre, qu'ils ont continué à poser les ballons? Oui, bah avec les consignes de l'entraîneur à la mi-temps. Je pense que les jeunes joueurs ils ont cru et ils ont marqué directement au début de la deuxième mi-temps. Encore, on peut creuser l'écart aujourd'hui, plus de temps à plus. C'est encourageant quand on voit aujourd'hui un banner qui a marqué deux buts à Hamonker, qui aussi après sa sanction, il a marqué un but. Et c'est très, très encourageant pour la suite. C'est bon pour le moral avant le déplacement au Maroc? Oui. Bien sûr que c'est très bon pour le moral quand on voit aujourd'hui une jeune moyenne d'âge, même de 23 ans, c'est très très encourageant. Et Inch'Allah, on va revenir avec un très bon résultat du Maroc. Donc, ça, je suppose que vous allez. Aujourd'hui, début de la saison, on a dit qu'on a une bonne équipe, on a des jeunes joueurs, on a des joueurs d'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, on a des blessés. Il y a l'entraîneur et il a laissé quelques joueurs aussi pour se reposer. Je pense qu'on a dit. On a suivi quelques joueurs, on a négocié avec quelques joueurs, on a pas au même moment, peut-être avant le Maroc, après le... aujourd'hui.